En fait, je trouve pas, c'est qu'on a les lumières en même temps que le feu. Moi aussi, j'ai fait ericksonienne et tout. Ça avait marché sur le coup. C'est en fait, tu retournes dans ton enfance, tu trouves des ormes. Et... Non, du métro. Du coup, j'ai pas pu retrouver mes potes parce que j'étais coincé dans le métro, je pouvais pas sortir. Non mais là s'ils veulent faire un attentat, désolé de temps, mais... Ah, c'est pas mieux quoi. Ah si, il y avait Stade de France, éventuellement. S'ils avaient un truc contre les Portugais. Non, en plus avec la sécurité, là ça va être l'horreur. Ouais, on voit pas grand chose là-dessus. Venez par ici. Hein. Avec le téléphone. Avec le téléphone, oui, on voit ça. Bah déjà que ma caméra c'est très juste alors. On n'est pas doux parce que... C'est beaucoup mieux de visu. Hein. Non, je peux pas mettre devant chez moi, j'ai l'impression. Oh la masse. Ouais. J'avoue. Il suffit de demander aux banques, quoi. Il suffit de mettre de la dette, il n'y a pas de problème. Tu trouves bien l'argent. Si, je trouve bien l'argent. Mais la corrida, on va quand même pas. La tour Eiffel, c'est trop beau. Est-ce que c'est considéré comme faisant partie de la culture? Patrimoine national. En Espagne, je pense que c'est sûr que leur prix est moins. Wow. Je sais pas. En tout cas, il y a la CAF dans le bas. Il y a la CAF qui propose aux familles, les familles nombreuses, là, enfin, les gamins qui ne peuvent pas partir en vacances, tout c'est tout. Ils leur payent des semaines dans les trucs de Toreador. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment flippant quoi, t'as la fumée partout. Bah, du coup, je me suis échappé du feu par le coup. Je n'ai pas donné la fumée de l'eau, mais demain j'ai un rendez-vous pour un d'actualité sur le côté de l'eau. Je suis un peu boiteur sur ce coup-là, je peux absolument pas mettre de fumée. D'accord. C'est pas tes poils en ce moment? Là, c'est un peu sur. Il a payé open source pour ouvrir les données bancaires. En gros, permettre des startups qui veulent développer des services innovants, des nouveaux software ou des applications qui ont besoin d'utiliser la donnée bancaire, la donnée de transaction, qu'elles puissent se connecter aux banques via une API qui expose la donnée de façon à soit rentrée, propre, pour proposer leur service. Mais en faisant bien, c'est moi en faisant comme point de présence. Je t'appelle pas d'être les gars. Actuellement, tu vois, tu as des certains qui agrègent différents comptes, comme Mixo, Morphe ou autre, qui permettent d'avoir un dashboard sur les différents comptes. J'ai un compte courant, départ, machin, dans différents banques. Et en fait, ils se connectent, ils demandent ton login et ton mot de passe, ils se connectent à ta banque sur la page web. Ils aspirent les données affichées sur la page web, absolument très sauvage, ah oui, toi, très tu crade. Veux faire un truc standardisé. Nous, on propose aux banques, au lieu de subir le fait que les fintechs se développent de façon très sauvage en piquant les données entre guillemets, mais de toute manière, si vous essayez de les concurrencer, vous n'en verrez jamais, parce que c'est beaucoup plus rapide que ce que vous avez payé, c'est beaucoup plus malheureux. Pour l'instant, vous subissez trop, vous n'avez aucune vision sur les données qui sont utiles. Vaut mieux que vous commenciez. C'est assez incroyable. Tu dis, je peux tout tracer. Le truc, c'est qu'après, Les formes que ça fait. Ouais, c'est un mixeur de Bitcoin. Oui, les cœurs. Ouais, mais je crois qu'il y a un truc qui est pas raté. Quoi. C'est le plus grand feu européen, il paraît que c'est immense. Quoi. Tu sais, moi, je comprenais jamais pourquoi les gens ils sont intéressés par ça. Qui permet la confiance. Ouais, pourquoi les gens sont intéressés par l'art et tout. Faire tourner leurs ordinateurs, valider. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient intéressés par l'art. Ouais. Avec le mec et donc avec l'histoire. Comment ça vous est venu de faire les deux alors? Parce que c'est stratégiquement, mais non, il n'y a aucune stratégie. Non, même ma stratégie, vous voulez que je vous dise ce que j'ai ma stratégie? Je fais ce que je veux dans la vie, quoi.
J'ai toujours, je suis toujours fait comme ça. Quand t'achètes un truc en Bitcoin, quand un truc me plaît pas, je le fais pas. Enfin, si, t'en entends. Bah, ouais. Y a ça, t'es bien obligé, quoi. Enfin, je vais pas le faire le ménage, mais... Parce que on juste toutes les transactions et on travaille toute la blockchain. Ce qui fait juste pas de sens... Je sais pas, il le montre pas bien. Il montre... Ils le font pas pour les autres, je sais pas. Il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils le font un peu pour eux, mais quand ils rêvent de quelque chose, je leur dis, mais je commençais à les interroger là-dessus, mais vous rêvez de faire quoi? Il y en a un qui m'a dit, vous savez, mon plus grand rêve, ce serait de prendre un instrument de musique, d'avoir un air dans la tête et de le jouer, et que les gens soient contents. Je dis, c'est vachement accessible. Donc en fait, maintenant, ce que je fais, au lieu de dire voilà ce que je peux vous apporter, j'écoute ce qu'ils veulent faire. C'est quoi votre rêve? Okay. Moi, je m'engage à réaliser votre rêve. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand ils réalisent leur rêve grâce à moi, alors là, c'est... 3 transactions à la seconde. Je reçois des éloges. Ouais, et encore. C'est touchant, quoi, parce que... Une fois, il y a une personne très âgée qui m'a dit, écoutez, j'ai toujours voulu faire ça toute ma vie. Eh, 23h39, hein. Putain, ils ont fait sauter la tour Eiffel. C'est malin. Vous savez que Hitler, quand il a perdu la guerre, il a voulu faire sauter la tour Eiffel. Ah bon.